Coucou, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée, pour une nouvelle vidéo. Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis trop désolée. C'est parce que j'ai déménagé. J'ai déménagé pour mes études. J'étais en Moselle, je suis partie du coup à Lille. J'ai fait plein de choses en fait. Franchement, plein de trucs et j'ai vraiment pas eu le temps entre ma rentrée de vacances et préparer ma rentrée. En plus, je suis vraiment une fille qui fait tout en dernière minute. Donc franchement, je me suis retrouvée avec 1000 trucs à faire. Rien eu le temps de faire, ou quasi presque. Franchement, je m'en sors pile poil, quoi. Donc, j'ai pas réussi à mettre des vidéos en place. Et j'étais dégoûtée. Franchement, j'étais dégoûtée. J'ai plein d'idées. Je voulais faire plein de trucs, parler même des sujets de rentrée, etc. Voilà. Putain, j'arrive vraiment pas à faire des intros courtes. Mais en tout cas, vous m'avez manqué. Et j'ai une idée de vidéo, mais de dingue. Franchement, j'avais peur de le faire seule. Je regardais genre des vidéos d'américaines. Et elles sont tarées, sérieux. Il y a une nana, elle coupait son beauty blender et genre il y avait des bêtes à l'intérieur. Je me suis dit, mais imagine, moi qui me maquille avec des beauty blender, imagine si sur ma peau, je mets des bêtes en fait. Et ça m'a trop dégoûtée et tout. Et du coup, depuis que j'ai regardé cette vidéo, ça doit faire 2 jours, je me maquille même plus avec mes beauty blender. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse cette vidéo. En plus, ça fait 1000 ans que j'ai mes beauty blender, il y en a, je les lave, etc. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Et puis, je me suis dit, je vais les changer. Comme ça, je les coupe. Je regarde avec vous ce qu'il y a dedans. Par contre, s'il y a quelque chose... Mais je suis même pas prête, en fait. Je suis même pas prête. Franchement, j'ai trop peur. Donc, on se retrouve pour la suite. J'ai trop peur, mais vraiment trop. Beauty Blender. Comment vous dire, je suis assez stressée. En plus, c'est vraiment des anciens, comme je vous disais. Celui-ci, je l'utilisais pour le teint et celui-ci pour les poudres à appliquer, vous savez, pour matifier le teint. Je suis stressée. Ah oui, j'ai coupé mes cheveux. Rien à voir, mais c'était pour me déstresser en fait. Je suis trop stressée. Ciseaux, beauty blender. Ah, j'allais tomber, c'est un signe. On va commencer par le moins vieux. Je crois que je l'ai acheté il y a genre quand même longtemps, hein, quelques mois, plusieurs mois, hein, sûr. Et c'est un vrai beauty blender. Mais en fait, vu que dans la vidéo de la nana, il y avait genre des trous comme le mien, je me dis, c'est peut-être là que les bêtes, elles sont rentrées. J'ai trop peur. Je veux pas. J'ose même pas regarder. Hein. Non, je crois qu'il n'y a rien, les gars. Il y a un petit truc, non? Non, il n'y a rien. Mais regardez, genre tout le fond de teint qu'il a absorbé. Et c'est un truc de fou, hein. Je coupe quand même en deux pour voir. En fait, je sais pas si je suis deg ou pas qu'il n'y ait pas de bête. On va faire le deuxième. Le deuxième, il est vieux, genre de plusieurs années. Bon, 1 an max. Mais c'est pour faire crâner. Non, bon, il n'y a rien. Bon, j'ai tué mon beauty blender préféré. Non, mais je devais en acheter. Mais même, au moins, j'ai le cœur net. Parce que vraiment, j'étais pas bien. Après la vidéo là, j'étais pas bien. Je voulais pas maquiller. On me disait à Fafsor, je disais, non. En plus, il est noir. Je sais pas si on va voir grand-chose. Après, je me dis, celui-ci, il était blanc à l'intérieur. Peut-être que c'est pareil. J'en sais rien. Mais après, c'est de l'éponge. J'ai peur. Attendez, vous savez pourquoi j'ai peur pour celui-ci? Déjà, c'est le noir à l'intérieur, je vois. J'ai peur parce que c'était le Beauty Blender poudre. Et je me dis, la poudre, genre les verres de farine et tout, là. Toutes les bêtes de farine et tout. Je me dis, peut-être avec la poudre, ils arrivent à vivre. J'en sais rien, en fait. On va essayer. J'ai peur. En coup par où? Par n'importe quelle. Putain, il me faut du courage, moi. Hein. En plus, vous êtes même pas en direct pour crier si vous voyez quelque chose. Il y a un petit truc blanc, je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais le recouper parce que celui-ci, il est un peu bizarre. Hein. Je sais pas si vous voyez. Attendez, on va regarder. Putain, j'ai eu tué mes beauty blenders à cause de vous. Franchement, je crois qu'il n'y a rien, hein.
C'est bizarre. C'est une éponge, quoi. Bon, 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 bah écoutez. À mon humble avis, c'était peut-être pas une marque Beauty Blender parce que moi, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, du tout, du tout. Pas de bête. Je suis rassurée, je vais continuer à acheter chez eux. Je me disais, ils n'ont pas intérêt avec des Beauty Blender genre à 20 balles. Enfin, je ne sais plus exactement, mais ça coûte bonbon. Je me suis dit, si en plus ils mettent des verres. Eh, hey, mais vous allez me retrouver devant le Sephora, là, avec un panneau. Laisse tomber, j'étais trop énervée quand j'ai vu la vidéo. Je suis rassurée, tout va bien. Si vous voulez que je fasse des crash tests pour vous, dites-moi. Si vous voulez que je vérifie quelque chose. Je me sens trop dangereuse, là, comme fille. J'ai fait un truc de fou. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous très fort. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez en vidéo. Et puis moi, je vous retrouve, j'espère, très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous! Et n'oubliez pas surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait et activez la petite cloche. Parce qu'apparemment, il faut activer la petite cloche pour recevoir les notifications, pour voir ma tête encore et encore et encore. Je vous embrasse fort.